pêche se déroule en Mauritanie, puisque la Mauritanie accorde des licences de pêche à des petits seigneurs chinois et turcs. Et de la même manière qu'en Gambie, c'est essentiellement pour fabriquer de la farine de poisson et de l'huile de poisson. Ces usines ne sont pas venues seules, hein. C'est qu'elles ont eu des autorisations. En plus, le personnel technique et de direction est un personnel chinois. C'est pas les gens locaux qui travaillent à des postes élevés. On pourrait penser que ça crée des emplois, c'est pas tout à fait le cas. Alors la situation est différente selon les pays. La Mauritanie, c'est essentiellement pour acquérir des devises, pour vendre de la farine de poisson, donc à la Turquie, à la Chine, à l'Union européenne, bien que l'Union européenne achète plutôt de l'huile de poisson. Donc c'est en fait dans les échanges commerciaux. Dans le cas du Sénégal et de la Gambie, c'est une grave question, parce que en plus de ça, ça déstabilise tout ce qui existe au niveau du processus de redistribution des poissons. Traditionnellement, au Sénégal et en Côte d'Ivoire, en fait, c'est les femmes qui gèrent tout. C'est les marieuses, c'est elles qui ont le cordon de la bourse. Les hommes ne font qu'aller à la pêche. Or là, vous avez vu, ce système fait qu'en fait, les pêcheurs vont directement dans l'usine. Donc non seulement ça coupe la redistribution du poisson telle qu'elle était faite auparavant, mais en plus, les femmes ne vont plus pouvoir jouer ce rôle un petit peu d'économe. Donc effectivement, c'est extrêmement grave. Et par exemple, au Sénégal, de manière tout à fait improbable, récemment, je ne sais pas si c'est la direction de l'environnement au Sénégal, a créé une aire marine protégée dans la baie de Han, qui est une zone où traditionnellement les canneurs, c'est-à-dire pour la pêche au thon, il y a plusieurs engins de pêche, il y a un engin qu'on appelle la canne, où on pêche à la pas vivant, et dont les canneurs, 5 ou 6 canneurs européens, dont un français et 5 ou 6 canneurs sénégalais, allaient acheter la pas vivant aux pirogues pour après le mettre dans des réservoirs et aller pêcher. Et maintenant, ils ne peuvent plus le faire. Alors, est-ce que c'est en réaction, justement, parce que, à cause de la surpêche, les marieuses se sont dites, mais on peut plus pêcher. Mais enfin, c'est un genre d'exemple de mesure stupide, puisque la quantité d'appâts, donc de sardinelles, qui allaient à destination des canneurs, représente 0,2% du total des captures de sardinelles dans la sous-région. Vous voyez, des fois, les dirigeants prennent des décisions tout à fait... c'est un peu comme chez nous, hein, des fois. On prend des décisions un petit peu pour soit flatter l'opinion publique, soit apaiser les tensions. Donc, vous voyez, c'est difficile de répondre parce que la Mauritanie ne consomme pas du poisson, ce qui n'est pas le cas du Sénégal et de la Gambie. Et en plus, ce qui n'est pas évoqué ici, c'est que une partie du poisson séché, dans des conditions hygiéniques, ça c'est autre chose, mais une partie du poisson séché était transportée dans des pays comme le Mali, ou... et ça va être coupé, ça, forcément. Donc ça a des conséquences assez graves, quoi, forcément. Et c'est pas le fait de faire, à mon avis, là c'est, je donne une opinion personnelle, c'est pas un avis scientifique, c'est pas le fait d'exporter, pourquoi pas, on peut toujours exporter de la farine de poisson, mais c'est la quantité. Il faut voir, par exemple, qu'en Mauritanie, si je ne me trompe pas, il y a eu comme 70 bateaux étrangers qui pêchaient avec une trentaine d'usines de transformation. Donc c'est complètement démesuré, c'est ça le problème. On est dans la démesure, c'est qualitativement, on peut très bien admettre que la Mauritanie puisse exporter de la farine de poisson ou de l'huile, pourquoi pas. Mais le problème, c'est que ça impacte toute la sous-région. Et un autre aspect, c'est que normalement, il existe au niveau des pays africains une commission interministérielle qui s'est réunie, ça s'appelle la COMAFAT, et normalement, ils pourraient régler ce problème entre eux, mais ça ne se fait même pas, oui. Chacun a ses intérêts personnels, et c'est comme ça. On a vu évidemment un tout petit pays qui est la Gambie, mais vous pouvez imaginer que la surpêche des sardinelles, deux espèces de sardinelles, et du bonga, qui est l'équivalent d'une malose, le maître malose, c'est une espèce qui pondent dans les rivières, qui est un problème qui est en fait de surpêche au niveau de la sous-région, c'est-à-dire ça va de la Mauritanie jusqu'à la Guinée équatoriale, ou ça je ne me rappelle plus, ou Conakry, excusez-moi. Au départ, c'était les déchets des usines de transformation, par exemple des conserveries thonières,
Donc là, c'est normal, c'est une valorisation et c'est tout à fait logique, mais le problème, c'est que c'est pas suffisant, quoi. Donc, objectivement, c'est vrai que c'est difficile de ne pas utiliser les petits pélagiques, ce qui se fait depuis la fin du 19e siècle, hein, pas spécialement dans cette région, mais aux États-Unis, avec une autre espèce de, qu'on appelle le ménaden, qui est un petit clupéidé, un petit, de la même famille que les sardinelles et que le bangard, donc, mais sauf que lui, il ne migre pas en eau, dans l'eau douce. Au Danemark, ça se fait avec des espèces de morue, si vous voulez, de Galilée, le merlan bleu en Islande, parce que c'est un poisson qui n'a aucun intérêt au niveau commercial gustatif. Le problème, c'est une fois de plus, c'est les excès, c'est pas le fait que... Voilà. Mais à l'origine, c'est vrai que c'était... La logique voudrait que ce soit limité au rejet des conserveries, mais le problème, c'est que peut-être par rapport aux investissements, il n'y a pas une production assez grande pour maintenir quelque chose de rentable. Au niveau des pêcheurs, oui, ils s'organisent, y compris au Sénégal. Donc, ils ont alerté, ils font des procès aussi, comme en Gambie. Après, au niveau des autorités, j'avoue que je ne sais pas trop comment ils réagissent, quoi, hein, puisque, je viens de le dire, il y a les moyens techniques pour se mettre d'accord au niveau des États européens. Par exemple, moi, je travaille plutôt sur le thon, comme je l'expliquais. Lors des négociations au niveau des quotas thoniers, par contre, là, les pays de la Comafat sont extrêmement unis, donc ils ne parlent que d'une seule voix. Alors, pourquoi au niveau de la sous-région, et donc il y a une commission aussi, la commission de l'Atlantique Est, des pays pêcheurs. Donc. Et bien là, normalement, il y a des réunions scientifiques, et après, il y a des réunions politiques qui suivent les réunions scientifiques. Donc, qu'est-ce qu'ils font? J'avoue que je n'ai pas de réponse. Honnêtement, c'est quand même très lié aux années 2012-2014, quand justement la Mauritanie a accordé... Avant, la Mauritanie a accordé des licences de pêche d'abord à l'Union soviétique, puis après à la Fédération de Russie, puisque moi je me rappelle, dans les commissions thonnières, les Russes soumettaient des données de petits thonidés, souvent ce n'était pas les espèces nobles, des petits thonidés, qui capturaient avec des chaluts pélagiques. Les chaluts pélagiques, c'est comme les chaluts de fond, simplement ils sont en plein eau. Et donc avant, il y a toujours eu cette présence étrangère en Mauritanie, parce que ce sont des eaux très poissonneuses, voilà, donc ils profitent de ça. Mais ça, à la limite, on ne peut pas leur reprocher, dans la mesure où... Ils acquièrent des devises. Le problème des licences, c'est si la Mauritanie donne énormément de licences, elle a tout à fait le droit de le faire, et elle le fait, mais elle devrait tenir compte des intérêts des autres pays de la sous-région. Mais si elle donne beaucoup plus de licences, et donc si l'effort de pêche, en conséquence, augmente dans la zone économique de la Mauritanie, c'est une des raisons de la surpêche. Malgré le fait qu'elle accorde beaucoup de licences, et au contraire. Mais le problème, c'est que les stocks bougent, les stocks. C'est pour ça qu'on a eu... Qu'est-ce que c'est qu'un stock? C'est une unité de gestion. Donc, ce n'est pas parce que c'est dans des pays différents. On estime, grâce aux migrations, qu'en fait, c'est la même... pour une espèce donnée, les individus vont passer d'une zone économique à l'autre, ou au large, dans le cas des thons, enfin, ouais, etc., etc. Donc, il n'y a pas de raison, si vous surexploitez dans un coin de la zone de distribution de l'espèce, qui se trouve être, en l'occurrence ici, la Mauritanie, mais la conséquence fait que ça va se répercuter sur le stock. Il n'y aura pas assez de géniteurs, vous allez capturer... Alors, je vais parler de l'état sur l'exploitation, parce que souvent les gens voient les géniteurs, mais il n'y a pas que les géniteurs, il y a aussi ce qu'on appelle la surexploitation de croissance, c'est-à-dire si vous capturez beaucoup trop les juvéniles, eh bien, à la fin, vous aurez des poissons plus petits. Donc, c'est ce qu'on appelle une surexploitation de croissance. Il y a de la pêche illicite, mais justement, ce sont des bateaux qui sont avec des pavillons de complaisance, hein, Non, normalement, les licences de pêche, d'abord, souvent, les pays mettent à bord des observateurs à bord. Et oui, en général, je ne pense pas... Alors là, je donne quand même un avis scientifique. Tout à l'heure, je parle d'opinion à avis, là, c'est quand même... Je connais un petit peu le sujet. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de triche à ce niveau-là. Par contre, il peut y avoir de la pêche illicite, bien sûr. Par exemple, je reviens sur le thon parce que je connais beaucoup mieux, mais à la dernière réunion de la Commission thonière de l'Atlantique, le Sénégal et la Gambie, justement, se sont envoyés le bébé ou la patate chaude, parce que l'Union européenne a dit, mais attendez, il y a tel bateau, je ne sais pas qu'est-ce qu'un bateau taïwanais ou chinois, deux bateaux qui normalement n'ont pas de licence, n'auraient pas pêché. Alors le Sénégal a dit oui, mais avant ils étaient effectivement chez nous, mais maintenant ils ne sont plus chez nous, là, ils sont en Gambie. Le Gambien a dit, ah oui, mais vous êtes gonflé de nous dire ça, parce que quand ils étaient hors jeu, ils étaient chez vous. Enfin oui, voilà. Donc oui, il y a de la pêche illicite, et malheureusement, parfois, les gouvernements,
si vous, la majorité d'entre vous, enfin beaucoup de personnes sont de l'IRD, bon, le bakshi, ça existe, c'est ce que je... Voilà. C'est une triste réalité. C'était le cas avant. Aujourd'hui, l'aquaculture, semble-t-il, se tourne vers d'autres produits, et pas uniquement des farines de poisson. C'est peut-être d'ailleurs une solution peut-être pour les, ces usines-là, c'est-à-dire insectes, le krill, les crustacés, les petits crustacés pélagiques, les vers de terre, etc., etc. Donc je pense que c'est moins vrai aujourd'hui, du moins l'aquaculture en Europe. Je connais un peu le problème au niveau d'Abidjan, justement, sur ce qu'on appelle le faux poisson, c'est-à-dire les espèces associées à la pêche thonnière, où il y avait des liens sociaux très importants entre des gens, des marins du bateau, parce que c'était un poisson qui leur permettait d'augmenter un peu leur salaire. Donc souvent, à l'époque, maintenant ça a été revisité, mais les armements laissaient les marins locaux débarquer ce poisson et le vendre, mais ils vendaient en général à une marailleuse particulière qui allait après revendre ça à un grossiste particulier, etc. Donc je présume, par comparaison, que ça devait exister aussi sur les plages. Et aujourd'hui, effectivement, le seul intérêt, c'est de foncer et directement à l'usine, quoi. Donc là, je pense que pour ceux qui vendent directement à l'usine, et pourquoi ils vendent à l'usine ? Parce qu'on les paye un petit peu plus. Il n'y a pas de mystère. Donc voilà. C'est toute la structure sociale qui fait que tout passait par les femmes. Et là, aujourd'hui, je ne sais pas très bien, parce que sans être péjoratif par rapport à la conscience masculine des pêcheurs, mais enfin, si ça a duré durant des années, si les femmes s'occupaient de tenir les cordons de la bourse, ce qui a une raison. Et donc, c'est en fait le produit d'une évolution durant 200-300 ans qu'on casse en 10 ans. Quoi. C'est non seulement le problème de la surpêche, mais c'est le problème aussi de la structure sociale, de la redistribution de poissons, du maintien des familles, etc., etc. Sur les journaux, vous allez voir des fois disparition chez les espèces marines. Enfin, moi, j'ai pas d'exemple. C'est pas. Vous savez, c'est la fameuse histoire du thon rouge où les gens disaient ah le thon rouge va disparaître. Non, c'est quand même plus compliqué que ça. C'est pas des pandas, c'est pas des rhinocéros. Hein. Donc, effectivement, s'ils pêchent lorsque les poissons se rassemblent devant l'embouchure de la Gambie pour remonter, mais forcément à l'intérieur, ils en auront beaucoup moins. C'est logique. C'est un peu comme les saumons. Hein. Ça ne veut pas dire, par exemple. Je ne vais pas vous dire que tout va bien en Méditerranée, les trois quarts des stocks sont surexploités. Étant donné le réchauffement climatique, je pense que ça, et c'est déjà le cas, il y a des tas d'espèces invasives qui passent par Suez, ça, et ça ne peut qu'accélérer, parce que la nature a horreur du vide. Donc ça, c'est aussi un problème, la surexploitation peut faire qu'une espèce qui n'était pas autochtone, peut coloniser le milieu, et après, ce sera difficile de revenir à... Ça, c'est un des dangers de la surexploitation. Après, je vous dis, des espèces marines, l'océan, c'est énorme, il y a des populations énormes qui ne sont absolument pas comparables aux populations de mammifères terrestres, par exemple. Non, il y a une espèce, c'est l'albacore, qui est surpêchée, sur les trois espèces de thon tropicaux. Parce que pour la conserve, c'est pas le même prix. Quand vous allez au supermarché et vous verrez que parmi le boitage, je ne parle pas du germon qui est une espèce plus ou moins tempérée, le thon blanc, mais pour les espèces tropicales, vous avez l'albacore qui quand même vaut plus cher. Donc les conserveries ont intérêt à bien l'identifier déjà. Et par contre, quand ce n'est pas marqué, là vous avez souvent un mélange de listao et d'albacore, et parfois de thon obèse. Débarquement, on fait de l'échantillonnage, on mesure les poissons, et on estime la composition spécifique, et comme on a le livre de bord du capitaine et le livre de bord tenu par le chef mécanicien pour le remplissage des cuves, on sait où a été fait la calée, c'est-à-dire le coup de seine, la date et le lieu. Et bon, je ne vais pas rentrer dans d'autres détails, mais donc on est capable de recorriger éventuellement le livre de bord s'il y a des erreurs. Du retour, on forme à l'IRD, au CIRAD, on forme des chercheurs africains. Moi, j'ai eu deux doctorants particulièrement brillants qui n'ont rien à envier aux doctorants français. Et bien, un est retourné et là, il n'a pas vraiment de travail. Il travaille pour un ancien doctorant qui en a eu marre, qui a quitté le CERO à Abidjan et qui a fondé sa propre société, son propre bureau d'études. Il s'en sort très bien. Donc, il a embauché ce doctorant. Et j'en ai un second qui est jusqu'à fin décembre qui est ici,
Et ma seule truc, c'est qu'ils partent au Canada, parce qu'ils ne peuvent pas retourner chez eux, parce qu'en fait, ils vont retomber dans un système de panier de crabe où les vieux chercheurs vont les voir comme des concurrents et ne vont pas les intégrer, et c'est ça un des problèmes aussi. Au Sénégal, si vous savez le nombre de Sénégalais qu'on a formés, et des gens qui étaient bons, hein, c'est pas des... Et puis ben, après, ils travaillent pour les ONG, parce que voilà, il y a un système sur place qui fait que... Il y a des pouvoirs locaux, alors on se dit ça existe en France, hein. L'université française est pas mal non plus. Mmh.